Ça y est, ça y est, la CNC est là et j'ai plus qu'à la monter. Enfin, ça, c'est un gros boulot. Et on va faire ça ensemble. Allez, en avant. Faire tous les cartons, mais je voulais quand même faire une mention spéciale sur l'emballage qu'on fait à vide CNC, avec par exemple l'éjambage des pieds. Voilà, c'est juste un bout de ferraille, hein, mais chacun est emballé individuellement et tout est emballé comme ça, numéroté, étiqueté, et ça a l'air super bien fait. Et voyez que c'est joli, c'est propre, hein. C'est quand même pas de la tarte tout seul, vaut mieux être deux, hein, pour faire ça. Heureusement, la doc en ligne qui est accessible, hein, je vous mettrai des liens pour la retrouver, pour la construction de la machine, elle est très très claire. C'est en anglais, mais c'est très très clair et il n'y a pas moyen de se tromper. Cirage à fond. Et là, ça commence par assembler une CNC. Super bien assemblé. C'est un peu long, mais c'est super chouette. C'est super bien fait. Tout tombe en face. Il y a juste le nombre de bonnes vis et tout ça. Les petits sachets avec la dénomination. Super bien organisé. J'ai maintenant passé tous les câbles à travers la machine pour alimenter les différents moteurs, les différents limiteurs de course. Ils ont mis des limiteurs, les petits machins verts là, sur le portique plutôt qu'en bout. L'ancien montage était en bout avec un truc qui dépassait là. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Et il n'y a plus qu'à ranger les fils le mieux possible parce qu'il y en a quand même pas mal. X en bleu, Y en rouge et Z en vert. X en bleu. Et il y a encore la réserve, c'est déjà câblé pour un quatrième axe qui est nommé A. Et là, c'est les connecteurs pour les limiteurs de course sur l'ensemble de la machine. Et voilà l'intérieur de la bestiole, les transfos pour les moteurs, les contrôleurs ils sont là-dessous, et ça c'est la carte Ethernet. Évidemment j'ai protégé ce circuit avec un parafoot spécial qui régule la tension, même en temps normal, même s'il n'y a pas un coup de foudre, c'est une tension vraiment régulée, donc pour protéger tout ça. Et ici là c'est l'alimentation de la fraiseuse. Je vais les marier ensemble. Là, le petit câble gris, c'est pour que les deux boîtiers communiquent. Allez. Franchement, je t'en insiste pour les ranger là sur le bord.
la dernière partie de l'assemblage avec la platine qui permet de fixer la fraiseuse sur le châssis. Et ensuite, cette platine qui permet d'ajuster l'équerrage, c'est-à-dire l'orientation verticale de la fraiseuse par rapport à la table. Et c'est pas bien compliqué. Ah si, c'est compliqué. Il faut pas prendre les... faut prendre les bons écrous. Les bons boulons, pardon. Cette fraiseuse, c'est une 2,2 kW avec un collet ER20, type ER20, et donc on peut monter n'importe quel diamètre ensuite à l'intérieur. Les plus assidus parmi vous auront remarqué qu'elle a tourné d'un quart de tour. Elle est en fait beaucoup plus large que longue. Elle fait 1,90 m de long et 2,10 m de large. Donc j'ai préféré la tourner comme ça, au moins dans un premier temps. De même, les boîtiers de commande, ils sont relativement bruyants. Il y a des ventilateurs, des gros ventilateurs. Je vais peut-être les enfermer quelque part, plus loin, au frais. Enfin, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est la configuration. La configuration pourra évoluer si j'allonge la machine, parce que je peux toujours l'allonger dans cette direction-là. Dans la direction du Y, je peux en mettre à l'infini. Tant que j'ai des rails et tant que j'ai du fil, et ben voilà, le portique peut se déplacer à l'infini. Donc dans ce cas-là, il faudra la retourner d'un quart de tour et puis l'emmener plus loin dans l'atelier ou plus loin dans ce sens-là. Ça va rechanger la configuration de l'atelier, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on va démarrer cet engin. Vous voyez que déjà, ça... Ouais, elle est vivante. Normalement, elle va venir jusqu'ici pour se mettre à 0,0 machine. Pas très rapide la Home XYZ. Et là, le petit capteur vert, il va venir sentir ce petit bout, c'est magnétique. Autant les déplacements pour aller à l'origine sont relativement lents, mais en utilisation normale, je vais vous montrer, c'est pas accéléré du tout. Là, ça va mieux.
Bon, ça a trouvé le zéro de la plaque et donc par déduction, ça connaît le zéro de mon plan de travail. Allez, premier plantage sans gravité, j'y retourne. Le test pour la planéité du surfaçage n'a pas fonctionné parce que j'ai mis une fraise de 1/4 pouce au lieu d'une fraise d'un demi pouce, donc je vais recommencer sur la face B. Bon, le premier test, un peu flippant quand même, parce que voilà, je connais pas la machine, je sais pas m'en servir, ou je sais pas encore m'en servir. C'est parfaitement plat, il n'y a rien à dire. On voit légèrement des zones, mais c'est parce que la fraise ne tourne pas dans le même sens aller-retour. Mais sinon, c'est parfaitement plat. Ça, c'est un bon point. Alors, pour moi qui ne pars pas avec un bagage de CNC, de modélisation 3D, eh ben c'est un peu flippant tout ça, je vous le cache pas. Mais j'obtiens des résultats, ça c'est le premier résultat, c'est pas moi qui ai écrit le programme là, mais voilà, je suis arrivé à faire marcher la machine, c'est un bon point, et on va passer à la suite assez rapidement. Mais oui, je l'ai éteint. Les premières défonces se sont bien passées finalement, même s'il y a eu un petit accro, c'était entièrement de ma faute. De toute façon, ce genre de machine, ça ne pardonne pas l'utilisateur. C'est pas la machine qui s'est plantée, c'est l'utilisateur. Donc s'il y a des accidents, s'il y a des erreurs, et ben voilà, c'est de la faute de l'utilisateur. La machine, elle fonctionne. C'est sans pitié et c'est un peu flippant pour ça. Mais bon, je vais apprendre à utiliser Mac 4, qui est le logiciel de pilotage. Je vais apprendre à dessiner, je vais apprendre à les trucs, astuces et tout ça, je vais apprendre sur le tas. Je m'étais déjà beaucoup documenté avant d'avoir la machine. J'ai passé un nombre incroyable d'heures sur YouTube à regarder des vidéos de comment ci, comment ça. Je connais tous les films de Frank Howard par cœur. Je rejoins maintenant ce club un petit peu fermé, mais voilà, c'est un club. J'ai l'impression de faire partie d'un club avec une avis de CNC. La prochaine étape, c'est de fixer un plan de travail sur la machine et de l'aplanir, de lui faire des trous de fixation et tout ça. Alors, je ne sais pas si je vous filmerai ça parce que c'est pas un dessin que j'aurais fait. C'est un dessin qui est déjà prêt chez avis de CNC. Alors, je vous ai pas montré tout l'assemblage de la machine parce que c'est pas passionnant à filmer, en tout cas c'est très difficile parce que c'est des petits bouts sur un grand projet. Si un jour vous avez une machine comme ça, vous prendrez plaisir à la monter. C'est un peu comme du mécano ou du Lego, faut bien suivre le mode d'emploi et puis on finit par y arriver. Et vite fait, juste avant de conclure, je vous présente mon bureau qui est fait avec l'ancienne table de la cuisine. J'ai découpé le pied dans le côté et le fond de la table. On va faire ça vite fait, comme ça il y aura un tout petit peu de morceaux de bout de bois dans ce film. Et on se retrouve juste après pour la conclusion.
Et ben voilà. J'espère que vous aurez pu prendre quelques vacances, aller changer un petit peu d'air, changer un petit peu d'horizon, changer de personne, changer d'endroit. Ça fait toujours du bien. Pour samedi prochain, je vous prépare une vidéo spéciale CNC avec toutes les questions qui m'arrivent. Si vous en avez d'autres, mettez-les en dessous en commentaire. Qu'est-ce que tu vas faire avec une CNC? Combien ça coûte? Comment on fait pour en importer une? Pourquoi celle-ci? Quelle dimension elle fait? Quelle puissance et tout ça? J'en passe et des meilleurs. Donc si vous avez des questions, vous les mettez en dessous et on va regrouper tout ça dans un film samedi prochain. Allez, à ciao, bonsoir.